Hot Shots 2 a été filmé à Hollywood devant un public live. Avec la halle et le film du mardi soir, jusqu'où irons-nous dans le rire? La halle, chaussures ou vêtements? Tout de suite, dans Place de la République, Yamina Benguigui et Gilles Schneider évoquent le rôle et la place des parents dans notre société. Salut, à bientôt. Ça leur a plu? Ils m'ont pas laissé un seul, mon chéri. J'en avais tellement envie. Ah oui? Envie d'un chocolat tendre à croquer qui céderait sous la dent? T'arrêtes? Ou tu sentirais cette chaleur qui t'envahit? Dis-toi. Et cette cerise? Oh, tendre, charnelle. T'es vraiment un monstre. Mais t'es un amour. Mon chéri, deux mots d'amour dans un chocolat. Ah maman, comment je peux tout nettoyer et tout désinfecter? C'est Bref Javel Net. Bref Javel Net, c'est une eau de Javel et un nettoyant ménager en un seul produit. Bref Javel Net, désinfecte et dégraisse en un seul geste. Bref. En ce moment, 10 francs remboursés sur l'achat de 2 flacons. Ouh, ça y est, j'y suis. T'es rentré dans le fichier du personnel? Ouais, et voilà le salaire de chaque personne dans cette boîte. Regarde, ce directeur général touche 2 fois moins que cet autre directeur général. Je suis sûre qu'il le sait pas. Maintenant, si. Je viens de l'envoyer en email à tout le monde. Et bref, c'est aussi un spray qui dégraisse, désinfecte et élimine les moisissures. Bref Radical avec Javel. Une triple action. En un seul geste, bref. De mon téléphone portable. Alors parlons d'amour, mon amour. Parce que la personne que vous aimez est unique, pour la Saint-Valentin, offrez-lui le pack SFR qui lui ressemble. SFR, le monde sans fil est à vous. SFR est une marque de Cegetel. Tournez la page, changez de fromage. Jamais plâtreux, jamais coulant. C'est incroyable, ce fromage est toujours parfait. Le Saint-Aubin, il n'y en a qu'un. Comme mes cheveux qu'elle aime caresser, la laine est soyeuse. Pour rester belle, elle a besoin du nouveau Myrlène Shampoing aux extraits de soie. Myrlène Shampoing, le produit de beauté de la laine. Le Saint-Aubin, il n'y en a qu'un. Virtuellement irrésistible, virtuellement parfait. Nouveau rouge virtuel de L'Oréal. Une couleur pure d'une incroyable finesse. Une vraie révolution. Rouge virtuel dépose d'un seul trait un film si fin que vous ne le sentez pas sur vos lèvres. Et pourtant, la couleur est intense, lumineuse, incroyablement pure. Nouveau rouge virtuel de L'Oréal, virtuellement irrésistible. L'Oréal? Parce que je le vaux bien. Bonjour! Vous allez partir toute seule? Mais avec un copain, une copine... Vous n'avez pas un petit ami? Vous êtes un grand solitaire. Quel âge avez-vous? Plus de 60 ans. Sinon, vous n'avez pas d'âme fan non plus. Donc 25%, vous n'êtes pas opposé. Vous arrivez au guichet n'importe où, vous dites découverte. Découverte, c'est moins 25% pour tous. SNCF, à nous de vous faire préférer le train. Vos cheveux sont cassants? Fructis, c'est prouvé. Le concentré actif de fruits rend les cheveux 2 fois plus forts. Ils brillent de toute leur force. Fructis, garanti par les laboratoires Garnier. Trouvez plus vite les coordonnées d'une entreprise introuvable par Minitel 3617 Vérif pour une très bonne information sur les entreprises. Le froid agresse vos lèvres. Elles sont gercées, desséchées. C'est la peau de votre bébé qui vous le dit. Le stick pour les lèvres Mixa Intensif Peau Sèche soulage, nourrit et adoucit vos lèvres très vite. Imaginez, vous avez décidé de vous abonner à Internet. Bonjour monsieur, je voudrais m'abonner à Internet. Eh bien monsieur, désirez-vous les protocoles de communication et les adresses des serveurs DNS? Ah, j'ai ce qu'il vous faut. Voilà la bête. Merci monsieur. Pourquoi je raconte ça moi? Grâce au CD-ROM d'AOL, j'ai installé Internet en quelques minutes. Appelez vite le 0803 86 86 86 pour bénéficier d'un mois d'abonnement gratuit à AOL. AOL, simplifiez vos Internet. AOL est un service de Cegetel. Je vois que L'Oréal réinvente la coloration. C'est la fin des couleurs uniformes.
Et je me vois en Feria de L'Oréal. Nouveau Feria. Une nouvelle technologie pour une couleur vivante, vibrante, brillante. Semaine après semaine. C'est la couleur pure. Une nouvelle technologie, un soin protecteur. Des colorants purs pour deux fois plus de reflets. Et sans abîmer mes cheveux. La couleur passe en trois dimensions. Je me vois en Feria de L'Oréal. Le numéro un mondial de la coloration. Parce que je le vois bien. Petite faiblesse qui vous perdra. Pour ma vaisselle, j'ai choisi Mirsupra antibactérien. Parce que c'est le premier liquide vaisselle antibactérien validé selon une norme européenne. Mirsupra antibactérien, pour ma famille, l'hygiène c'est essentiel. Pour vous, Mir, fait le maximum. Qui est venu d'Amsterdam hier est revenu. Il dit qu'il a oublié son stylo. Bora, tous les prétextes sont bons. Mikado Trio, c'est des biscuits, de la pâte à tartiner et des billettes de riz soufflées enrobées de chocolat. Mikado Trio, la petite faiblesse qui vous perdra. Avec un ex, je suis pas jeune, ça m'excite. Comme on peut pas s'engager pleinement, c'est mathématique, avec deux personnes à la fois, soit on donne tout pleinement, soit c'est pas un engagement. On l'appelle la routine ou le train-train quotidien, on n'y fait pas attention et un beau jour, votre couple est en danger. C'est comme un saut à l'élastique en fait, où les buts à part de sauter, mais quand tu sautes, tu te régales. Demain soir, Ça se discute s'intéresse à tous les couples. Les originaux, les infidèles et les classiques. Comment vivent les autres couples, c'est ce qu'essaieront de savoir Jean-Luc Delarue et ses invités, demain soir sur France 2. La longue histoire des métaphores du paysage. Nature muette, sourde, aveugle, la rivière, la forêt, le bois ou l'étang n'ont pas la mémoire de ce qui se passe alentour. Simon Chama repense les liens entre la civilisation et la nature, qu'elles soient domestiquées ou sacralisées. Le paysage et la mémoire, un livre éblouissant d'érudition et de profondeur, choisi pour vous par France 2. Ok, à vos postes. Non, 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 non. Il y a quelqu'un. Je t'aime, tu sais. Bonsoir, comme chaque mardi, Bouche à Oreille vous propose un rapide coup d'œil sur les films, les nouveaux films qui sortent en salle cette semaine. Et d'abord un coup de cœur pour cette comédie sentimentale et drôle. La Nouvelle Ève, c'est son nom, et comme son nom l'indique, il y est question d'une histoire de femme et de ses histoires de cœur. Elle s'appelle Camille et elle tombe amoureuse d'un homme marié. Refrain connu, c'est vrai, mais là, c'est clair, avec un regard observateur et beaucoup d'humour, même les histoires d'amour les plus classiques fonctionnent très bien. Tomber amoureuse d'un homme marié, c'est se battre pour faire son propre malheur. C'est la meilleure façon de ne pas s'engager. C'est faire en sorte que ça ne marche jamais. C'est du masochisme, quoi. Quand je suis tombée amoureuse d'Alexis, je savais pas qu'il était marié. Vous êtes mariée ? Oui. C'est bourgeois, hein ? Non. Oui. Non, je sens que je l'aime, que je l'aime. Je comprends pas que tu l'aimes. Il ne quittera jamais sa femme. Quand on est sincère, on peut qu'être aimé en retour, non ? Moi, je trouve que c'est vachement important, la politique de proximité. En fait, t'es une vraie romantique. Passe le popper. Non, non, avec la bouche, avec la bouche. On va très bien s'entendre, je suis sûr. Tais-toi, tais-toi. Oui. J'ai eu un psy. Ah bon ? Tu es en analyse ? Ça ne va pas ? Je sens bien qu'il y a quelque chose entre nous. Je suis désolée. Je suis désolée, je l'ai fait exprès. Venir ? Alexis est à moi. Oh putain, elle est lourde. Elle est malheureuse, elle nous fait chier. Qu'est-ce que je joue là ?
La réalisatrice Catherine Corsini avoue qu'elle s'est inspirée de sa propre vie et de celle de ses amis pour écrire le film. Et du coup, on s'y reconnaît, on reconnaît ses voisins. C'est d'ailleurs un vrai plaisir de retrouver ici épinglés tous les petits travers d'une époque. Quant à Karine Viard, l'héroïne, c'est bien simple, elle est épatante. Comme chaque année, en cette période de l'année, débarque sur les écrans le nouveau Woody Allen. Cette fois-ci, le cinéaste new-yorkais nous livre une succession de scènes qui ont toutes le même sujet, la célébrité, ses avantages et bien sûr, ses inconvénients. Le lien entre tous ces sketchs est un journaliste écrivain frustré, joué par l'anglais Kenneth Branagh, qui se prend un petit peu, vous allez le voir, pour Woody Allen. Quand un journaliste policier se trouva chargé de la rubrique célébrité, il ignorait ce qui l'attendait. Il va percuter les quatre personnes les plus délirantes qu'il ait jamais rencontrées. Une starlette provocante. Je me rappelle que je m'allongeais sur mon lit, toute nue, et je regardais mon corps se développer. Un célèbre acteur disjoncté. Merde, t'aimes-moi ! Une jeune actrice ambitieuse. Tu fais quoi plus tard ? Et un top modèle. Oh mon Dieu, ok, on va s'en aller. Qui vont l'entraîner dans une équipée mémorable. Dieu, mais à quoi tu pensais ? La presse, c'est scandale, va me démolir ! Ils vivent dans un monde où chacun est prêt à tout pour devenir célèbre. Ou pour rester célèbre. Excusez-moi, les skinheads sont là. On va les mettre avec le rabbin Kaufman. Où sont les bagels ? Les skinheads ont déjà mangé tous les bagels ? Allons, continue la fête dans la chambre. T'auras rien à regretter, crois-moi. Tu veux dire nos cartes ? Une comédie américaine sur la renommée, la fortune et la frénésie. L'interprétation de Kenneth Branagh n'est pas sans rappeler celle de Woody Allen. Et même s'il s'en sort plutôt bien, on ne peut pas s'empêcher de regretter l'absence de notre névrosé préféré. Quoi qu'il en soit, l'affiche de Celebrity reste alléchante. Les hommes passeront allègrement de Melanie Griffith à Winona Ryder. Et les femmes retrouveront leur Leonardo DiCaprio, qui a bien décongelé depuis Titanic. Celebrity, en tout cas, souffre de quelques longueurs. Mais comme dans tous les films de Woody Allen, on trouve toujours quelques perles. À 10 000 km de l'univers de Woody Allen, voici Rush Hour, un film d'action parmi tant d'autres, qui a pourtant le mérite d'associer à l'écran deux acteurs originaux, Jackie Chan, roi du kung-fu fou, et Chris Tucker, le disjockey excentrique du cinquième élément. L'histoire est simple, la fille du consul de Chine aux États-Unis est kidnappée. Jackie Chan, ami de la famille, débarque sur le sol américain pour donner un coup de main et quelques coups de pied. L'échange aura lieu ce soir à 23h. La rançon sera de 50 millions de dollars. 50 millions de dollars ? Mais vous croyez avoir kidnappé qui, la fille de Clinton ? L'inspecteur James Carter. Ouais ! Prenez son travail un tout petit peu trop à cœur. Tu as détruit la moitié d'un quartier. Il était complètement pourri déjà. À cause de quoi on a perdu plein de preuves. Il en reste encore un petit peu. Un travail qui devient un peu trop dangereux. Il te reste 29 minutes. Je contrôle la situation. Je veux parler à ma fille. J'étais sur le point de récupérer sa fille et tu as tout fait foirer. Je réclame l'aide d'un de mes compatriotes. L'heure est venue de faire appel au maître. Rassure-moi, tu parles ma langue. Est-ce que tu comprends les mots qui sont en train de sortir de ma bouche ? Je veux pas de partenaire, j'ai pas besoin de partenaire et il est pas question que j'ai un partenaire. Est-ce que Kojak en avait un ? Oui, il avait le gros. Et Colombo, il avait un partenaire ? Non. Tu mets ton gros sac à l'arrière. Y a pas écrit porteur. Beach Boys. Non, j'hallucine là. T'avises jamais de mettre tes pattes sur la radio d'un black. Yeah. Dans la famille des films genre Arme Fatale, Rush Hour est un petit frère inspiré, pas aussi réussi, mais aussi déjanté. Quand un flic chinois qui frappe fort rencontre un flic américain grande gueule, eh bien ça donne un duo comique explosif. Rush Hour est un film survolté et drôle, 1h40 de tchatch et de kung-fu hip-hop. Voilà, bouche à oreille, c'est fini pour ce soir. On se retrouve dans la file d'attente, ou bien mardi prochain, même heure, même endroit. Je suis assez content de sortir ce soir. Oui, ça devrait être amusant.
Je suppose que tu voudras que je conduise? Non, ça ira. Je conduirai. Toi, tu pourras boire un verre ou deux, hein? Non, c'est toi qui pourras boire un peu. Après tout, c'est ton ami. Notre ami? Oui, mais c'est moi qui ai pu boire la dernière fois. Aujourd'hui, c'est ton tour. De toute façon, je n'ai pas vraiment envie de boire. Mais ça m'est égal de conduire. Toi, détends-toi. Je peux me détendre sans un verre, non? Jacques Higelin. Où sont tous les camelots? Les princes de la gouaille? Les grands bonimenteurs? Les champions du bagou? L'accordéon désaccordé du beau Léon? Sa corde au diapason? Du tourbillon? Jacques Higelin. Nouvel album, Paradis païen. Je vous rappelle tout de même que nous avons doublé notre chiffre d'affaires en 2 ans. Et vous avez aussi doublé vos pertes. Qui vous a dit ça? 3617 Euridil, le registre national du commerce. Ça tombe bien. Barilla, numéro 1 en Italie, propose toutes les pâtes que vous aimez dans de délicieuses coquillettes. Ça vous changera de certaines pâtes qui peuvent coller. Les Barilla, elles, restent fermes et fondantes à la fois, toujours al dente. C'est pas toi qui as fait ça. Et maintenant, avec les nouveaux paquets Barilla d'un kilo, on peut être gourmand en faisant des économies. RTL présente Voltara. Euskal Kantua. Tecmar est une entreprise spécialisée dans l'industrie offshore. Nous sommes une petite société. Nos délais sont très serrés. Tout le monde ici compte sur moi, et moi, je compte sur DHL. Ils sont disponibles, professionnels et extrêmement rapides. Un simple appel et c'est réglé. Peu importe la taille de votre entreprise, si c'est important pour vous, c'est important pour DHL. DHL, nous tenons vos promesses. Nous, à la maison, on a une règle. On ne mange pas de mousse au chocolat Nestlé. Avant le dîner, il faut être ferme. Nestlé, une mousse forte en chocolat. Mes enfants, ça a besoin de repères. À table! À table! Mousse au chocolat Nestlé, de Nestlé. Et maintenant, une nouvelle recette au chocolat à 70% de cacao. Les Voix en Or 5. Tout l'or de la musique d'RFM réuni sur un double album. Céline Dion. Que tu m'aimes encore. Pascal Obispo. Belle de Notre-Dame de Paris. Patricia Cass. Axel Red, Tina Arena, Julien Clerc, Johnny Hallyday et Carmel, Andrea Bocelli et Hélène Segarra. Les Voix en Or 5, 2h30 de pur plaisir. Plus maladroit que moi, impossible. Si vous m'aviez vu verser de la lessive dans ma machine. Skip Tablette, qu'en pensez-vous? C'est pré-dosé, c'est super pratique. Pour moi, c'est parfait. En plus, elle s'effrite pas. Tant mieux, si je voulais de la poudre, j'achèterais de la poudre. Et le mode d'emploi, il n'y a pas plus simple. Les tablettes dans le filet. Le filet dans la machine et... Ah bah maintenant, je fais ma lessive proprement, sans me prendre la tête. Le mec qui a inventé ça, il l'a inventé pour moi. Obligé. Skip Tablette, à vous d'essayer. RFM présente Luz Casal. Piensa en mí. La plus belle voix d'Espagne. Cuando sufras. Vous l'avez découverte avec Piensa en mí, la chanson de talon aiguille. Que significa. Retrouvez toute l'émotion de Luz Casal avec la compilation de ses plus grandes chansons. Luz Casal. La vie n'est pas rigide. L'Oréal invente la fixation élastique. Nouveau spray Studio Line de L'Oréal. Révolution. New Elastic Technology. Les cheveux bougent et reviennent en place. Les coiffures tiennent. Sans coller. Net Spray Studio Line. New Elastic Technology. Fixe, mais laisse bouger les cheveux parce que la vie, c'est le mouvement. New Elastic Technology Studio Line de L'Oréal. L'Oréal, parce que je le veux bien. Pourquoi sont-elles uniques, les galettes Saint-Michel? Parce que depuis toujours, Saint-Michel est très exigeant dans le choix des ingrédients. Tout le secret de Saint-Michel est là.
C'est ainsi que les galettes Saint-Michel sont authentifiées depuis 1905 et qu'elles ont un goût unique qui séduit petits et grands. Aucune galette ne ressemble à une galette Saint-Michel. Numéro 1 Celtic. Entrez dans les mystères et la magie d'un univers légendaire. Trianne. Dan Arbraz. Alan Steven. Manon. Quand tout n'est que légende, il reste la musique. Numéro 1 Celtic. Numéro 1 Celtic. Un disque Polygramme Universal. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Yamina. Bonsoir Gilles. Bonsoir et bienvenue Place de la République.